C'est peintre à l'huile sur toile intitulé Le Garçon Lézard. Monet est le fondateur de l'impressionnisme français. Elle est conservée au musée du Louvre à Abu Dhabi. Il s'agit d'un paysage urbain qui présente le Garçon Lézard en plein activité. Au premier plan, on voit des arcs qui se croient et sont parallèles aux armatures des aciers du plafond et de la verrière. On peut remarquer la présence du chemin à droite. Au second plan, vers un wagon arrête qui contraste avec une locomotive à vapeur qui quittait la gare. Les fumées produites par cette locomotive remplissent le tableau. On reconnaît des silhouettes schématiques mais parfaitement distinguables. À l'arrière-plan, on reconnaît l'architecture typique de Paris, avec ses meubles, les habitations, le chemin de fer apparaître comme témoin de la modernité, qui l'a fait entrer dans une nouvelle ère, en plein période de révolution industrielle. À cette époque, Monet cherchait à diversifier son inspiration en peignant le passage urbain et vous être considéré comme un peintre de la vie moderne, à l'instar de Monet ou Degas, un précurseur. Une petite information concernait la peinture. L'impressionnisme, c'est un mouvement qui consistait en une nouvelle représentation de la réalité et qui débute en tournée dans les arts de l'époque. Demander la couleur et le jeu de l'humeur dans la nature et dans la vie de tous les jours. La gare Saint-Lazare est située en France, Paris, c'est l'une des 6 grandes gares. Par conclure, je trouve la gare Saint-Lazare être une peinture l'impressionnisme intéressant. J'aime les faucons qui incorporent les caractéristiques de l'impressionnisme, de l'observation légère et la couleur. Aussi, c'est le premier peintre qui a capturé mes yeux.